milieu tout le monde, c'est Blue Juice 68. Aujourd'hui, on a les super protections Mountain Style. Voilà, Frame Guard XL. Pour protéger, donc on va d'abord faire celui-là de Jules. Donc le Coinsal Meta. Puis après, on va faire le mien. Meta V4, Enduro, tout ce que vous voulez. Parce qu'il a un axe maintenant. Donc, on a pris un super modèle avec un super design. Donc c'est une entreprise anglaise. On va tester tout ça, on va en mettre sur les haubans avec ça et sur le top tube avec ça, puis on va en foutre un peu partout quoi, vu que c'est stylé. Puis on va vous montrer comment on installe ça. Donc c'est un petit prix, enfin c'est une trentaine d'euros, mais une fois que vous les avez mises, ben, ça vous dure tout votre vélo. On va tester tout ça, let's go. Ne pas coller sur un endroit où il y a de la flotte, donc de l'eau. Donc on va utiliser du nettoyant frein. Donc faut utiliser un dégraissant, mais pas qui laisse un film d'huile. Ça va être pas bien, ça va pas adhérer. Donc vraiment prendre du nettoyant frein ou juste un essuie-tout avec de l'eau quoi. Donc on va pas se compliquer la vie. Hey, what you got in the shop for me? Hey, you're the silver lining to some gravity. Hey, chaos touch me. Stuck the blinks with the mind. Clean, rien dessus. Donc on va centrer par rapport à là et centrer par rapport au haut. Donc faut centrer comparé à la grosse fabrique et comparé à la soudure en haut. Après il faudra tout étaler. Donc là vous appuyez bien au milieu. Et là on démarre. On commence à prendre un peu plus sur le côté. Attends, c'est bon là je suis lancé, j'ai la technique. Et pas commencer de côté, après ça va faire des bulles si vous rejoignez. Appuyer ici, ouais, c'est bon. Et là, vous avez un de ces styles sur votre bike. Ouais.